Yahoo, dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui, je te retrouve du coup pour l'ouverture numéro 2, si je ne me trompe pas, sur la chaîne d'une commande faite sur le site Gilbert Joseph. Alors oui, là, j'ai clairement commencé à enlever le scotch, mais ça faisait trop de bruit. Je vais t'expliquer les petites aventures que j'ai eues avec ce colis parce que ça a été des mésaventures. Je préfère quand même te donner mon avis, te donner la deuxième version des choses parce que voilà, ça se passe pas forcément toujours bien. Alors, je sais que ça arrive des fois qu'il y ait des problèmes de chiffres en fait, par rapport à ce qu'ils disent avoir sur le site, par rapport en fait à ce qu'il y a en boutique. Parce qu'en fait, il faut savoir que le site Gilbert Joseph n'a aucun stock. Ce sont les stocks en fait des boutiques qui sont un peu partout en France. Donc autant te dire que c'est en fait le gros la grosse catastrophe en fait pour gérer les stocks parce qu'ils ne mettent pas à jour forcément en même temps que ce qui est vendu, donc c'est assez compliqué. Et puis ne pas avoir de stock sachant que c'est juste les mangas que l'on trouve en boutique que les gens achètent en même temps, etc., c'est un petit peu compliqué je trouve, mais bon, toujours est-il. Donc je dis après hein. Bien sûr ça n'était pas atteint mon cerveau avant. Donc toujours est-il, qu'est-ce que je fais? Je lis le manga Wolf Girl en boîte pince, qui est un manga en 16 tomes. J'achète le tome 1 et le tome 2. Je les lis. Ça, c'était avant Gilbert. Hein. Je commence le tome 2 et je me rends compte que j'aime. Donc du coup, samedi... Alors attends, j'ai précisé. Donc le jour où je filme, on est le 5 septembre. Mardi 5 septembre. Et le jour où j'ai commandé, on était le 26 août. Le matin, avant 10h. Je commande, je vois que mes trois mangas de cette vidéo du coup étaient disponibles et devaient être envoyés sous grand maximum 3 jours. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis c'est génial, je commande. Du coup pour avoir le tome 3 et 4 en occasion, donc en un peu moins cher. Et sachant qu'en fait au final j'ai économisé la valeur d'un manga au total avec mes 3 mangas que j'ai achetés. Et j'achète surtout, ce qui était le plus intéressant, c'est pour ça aussi que j'ai passé le cap d'acheter à Gilbert Joseph, c'est qu'ils avaient un yaoi que je ne trouvais plus de disponible, ni sur Momox, ni sur Amazon, ni sur la Fnac. Donc, sur Gilbert Joseph il y était, je me dis alléluia. Donc je commande, sauf que malheureusement je fais déjà une petite erreur au niveau de ma commande, je commande 2 fois le yaoi. Je leur envoie un message dans la partie contact. Je me rends compte que du coup la partie contact est nulle à chier. Tout simplement parce qu'ils ne m'ont jamais répondu à mon message. Donc j'ai envoyé le message vraiment 2 secondes après avoir commandé. Et je trouve sur le site aucun endroit pour annuler ma commande. Donc grosse panique bien entendu. Je renvoie un message. Je renvoie un deuxième message au cas où que le premier ne soit pas passé. Je vois que je ne trouve pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram, rien du tout. Donc on ne peut pas les contacter sur les réseaux sociaux. Ça aussi c'est un défaut de Altaïa et compagnie. Mais bon ça c'est autre chose. Donc ma commande est faite le samedi 26. Et mardi je reçois un mail officiel me disant tout simplement que lors de ma commande il y a un manga qui n'est pas disponible parce qu'ils ne l'ont plus en stock. Je me dis Osef, c'est le yaoi où j'ai eu un problème, où j'ai appuyé sur 2 et que en fait j'en veux qu'un. Donc Osef c'est pas très grave. Mais en fait la petite aventure c'est que j'ai envoyé un message encore à ce moment là leur disant j'aimerais juste savoir quand c'est que le colis du coup va partir parce que ça fait déjà 2 jours, il n'y a aucun message de dit de préparation de colis, etc. Où il en est? Parce que je suis habituée avec Momox ou quoi à recevoir la blinde de mail pour savoir où on est ma commande et les autres sites. Et donc du coup, toujours pas de message, je ne reçois rien, je me dis bon bah tant pis, hein, j'attendrai qu'ils veulent bien l'envoyer. Et donc du coup, j'ai commandé samedi 26 et ils ont envoyé mon colis au final du coup samedi 2 septembre. À je crois 8h du matin, ils m'ont envoyé un message du coup pour me dire nous avons bien envoyé votre colis. Enfin, je dis rien, mais je venais juste leur envoyer juste une vingtaine de minutes avant quand même un mail pour leur dire justement j'en ai marre, j'aimerais bien savoir où en est ma commande. Ça fait deux messages déjà que je vous envoie, vous me répondez pas. Qu'est-ce qui se passe? Toujours rien, toujours pas de réponse. Donc je me dis tant pis, il y a marqué maintenant colis envoyé, ça devrait pas tarder. Et donc du coup je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Comme ça vous avez au moins une autre version. Parce que la première fois je crois que c'était tout beau, tout rose. J'ai dit j'adore Gilbert Joseph, blablabla. C'était le cas. Mais cette fois-ci du coup c'est moyen. Donc pour moi, leçon que j'ai retenue, je ne commanderai plus sur Gilbert Joseph à part si c'est marqué sous 24 heures. Et surtout si je ne suis pas en train de lire le manga. Voilà.
si je suis pas sur le tas en train de lire le manga. Le yaoi par exemple, c'est pas pour tout de suite, donc si le colis met un peu de temps à arriver, osef. Mais par contre, quand tu es en train de lire un manga comme moi, là il y a plus d'une semaine entre la lecture du tome 2 et la lecture du tome 3, j'ai peur que ça me fasse décrocher du coup la série. Parce que c'est comme ça que je fonctionne en fait. Ça va me faire décrocher, je pense, de la série. Donc par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a blend de scotch et que leur scotch, c'est bien indiqué que s'il y a eu le moins de petits problèmes au niveau du scotch par rapport au transport ou au livreur, de le signaler le plus vite possible. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc quand on ouvre, on a du coup les mangas qui sont protégés, ils sont dans le carton, ils sont protégés en plus. Ça, c'est déjà pas mal. Donc ils rattrapent un petit peu, mais bon. Voilà. Donc ça c'est pas mal parce que par exemple Amazon des fois c'est arrivé que le carton arrive un petit peu défoncé et que du coup on voit le manga à travers. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors, je vais l'ouvrir avec toi comme ça, on verra mieux. Hop. Il y a quand même deux couches de chaque côté, donc ça c'est pas mal. Hop, voilà. On va avoir la petite facture qui fait un récapitulatif, donc je vais te dire au niveau des prix. Donc le tome 3 de Wolf Girl and Black Prince m'a coûté 4,42€. Le tome 4 de Wolf Girl and Black Prince m'a coûté 5,10€. Et le yaoi m'a coûté du coup 5,84€. Ça c'est les prix du coup en occasion. Donc on te fait juste un récap comme ça, on te fait juste l'adresse de facturation, le numéro de commande, la date de commande. Et c'est tout, voilà. Et le montant total, donc du coup j'en ai eu pour 16,36€. Donc du coup voici le fameux yaoi dont je te parle depuis tout à l'heure. Donc il faut savoir que sinon en prix neuf il coûte 8,99€. Moi j'ai payé 5,84€. Si je l'avais acheté en boutique, c'est à savoir, il aurait coûté que 5,80€. Donc les centimes ça doit être pour payer les personnes qui font les colis, etc. Ça me dérange pas, hein. Voilà. En ce qui concerne le manga, il n'a rien du tout, il fait comme neuf. Donc voilà mon fameux tome 3 et mon fameux tome 4 de Wolf Girl and Black Prince, si j'ai bien prononcé. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. N'oublie pas d'aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça prend vraiment 2 secondes. N'oublie pas d'activer la cloche pour être informé de chaque sortie de vidéo. Et surtout, pour ne pas être désabonné, n'oublie pas d'interagir avec les chaînes qui t'intéressent. N'hésite pas du coup à mettre en commentaire si tu as déjà commandé sur ce site et à nous raconter toi tes aventures. N'hésite pas du coup à me raconter tout ça, ça me ferait très bon plaisir de le découvrir. Et ça permettra peut-être à rassurer certains panchas comme quoi ils sont pas tout seuls à avoir des petits problèmes avec le site au cas où. Ou si tu as de bonnes aventures, hein, pourquoi pas. Voilà, sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !